C'est Lulu Cracra qui nous envoie ça, elle avait trouvé ça dans le journal Sud-Ouest. Il y a un hôpital à Bayonne, la nuit du 23 au 24 mai, donc un dimanche, à minuit. Les gens sont aux urgences, ils attendent, et il y a une télé qui passe les infos de ça, machin. Et là, pendant 20 minutes, le film porno de Canal+ a été diffusé. En clair. Ah merde! La direction s'est excusée et a expliqué la raison de l'erreur. L'hôpital confie la gestion de ses écrans à une société privée qui a changé ses filtres par erreur et a rendu le programme accessible alors qu'il n'était pas inclus dans les services proposés habituellement. Sans déconner. On dénombre, Thomas, 4 érections mais aucune victime. Écoute, tout va bien du coup. C'est fort raisonnable. Générique. Manche, manche, cravate, lunettes, 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 double lunettes, 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 McBad News! Sylvain, cette missive est à ton intention. Sylvain, corrige-moi, corrige-moi, à grands coups de bécherelle. Corrige-moi, corrige-moi, jaillis, ô intellectuel. C'est qui va recevoir une bonne correction? Merci beaucoup, Pampoitou. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, c'est Banyuz. Banyuz, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de cons, même quand c'est l'été. Voilà, Banyuz, c'est la seule émission. Banyuz, c'est la seule émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. On commence tout de suite en bref de... Vivian ! Eh oui, le retour de Vivian pendant l'été ! C'est pas une phrase. T'as vu, je sais pas si tu te rappelles, dans l'émission 134, j'avais dit « Ah, j'ai chaud, dans un mois, j'enlève ma chemise. » Ouais. Bah là, ça fait un mois, j'ai enlevé ma chemise. Comme quoi. Ouais. On est comme dans Buffy. On prévient une saison avant. Des fans comprendront. Une équipe de scientifiques japonais a montré dans une étude parue vendredi qu'il était possible pour des mammifères d'absorber de l'oxygène via leur anus. Intrigués par la façon dont certains animaux respirent par leurs intestins en cas d'urgence, des chercheurs de la Medical Dental de l'University of Tokyo ont prouvé que la même chose était possible dans des conditions expérimentales chez les souris, les rats et les cochons. Selon leurs travaux, publiés dans la revue Med, cela pourrait aussi s'appliquer aux humains en état de détresse respiratoire, par exemple lors d'une pénurie de respirateurs. Comme par exemple à un moment où il y a eu le Covid-19. Eh bien, l'équipe scientifique s'est donc demandé si l'oxygène ne pouvait pas être administré de la même façon, dans le cul. Pour le démontrer, ils ont décidé de réaliser des expérimentations sur des souris, des cochons et des rats en manque d'oxygène. Deux méthodes ont été testées, délivrer l'oxygène sous forme de gaz ou en réalisant un lavement riche en oxygène. Balance, sous haute pression. Mais ils se sont dit que les humains accepteraient peut-être très mal d'être soignés du Covid par lavement d'oxygène dans le cul. Ils ont fait deux tests. Le premier, c'était mettre de l'oxygène en frottant les parois du rectum. Comme ça, il crée une inflammation qui augmente le débit sanguin, ce qui améliore l'efficacité de l'acheminement de l'oxygène. C'est-à-dire qu'on te rentre à l'intérieur, ouais. Bon, en gros, la fistinière, il respire très bien. On te laboure le cul, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, ils pensent que chez les humains, ça va être difficilement acceptable, sauf par certaines personnes, bien entendu. Alors, ne le faites pas chez vous, quand même. Même si vous aimez bien, allez soigner le Covid à l'hôpital au lieu d'essayer de respirer de votre propre manière chez vous. Non, voilà. Mais c'est surtout qu'il faut administrer un truc particulier, je pense. Enfin, ça se fait pas comme ça. Oui, je pense que... Non, il faut être suivi, quoi. L'oxygène délivré, tant sous forme de gaz ou de liquide, a accru l'oxygénation, normaliser le comportement des animaux et prolonger leur temps de vie. Donc ça marche. Les chercheurs ont précisé que la petite proportion de liquide absorbée en même temps que l'oxygène n'avait causé aucun effet nocif et n'avait pas perturbé les bactéries intestinales, indiquant que la méthode était sûre à terme. Ils espèrent prouver l'efficacité de la méthode chez les humains. Et donc, on aurait des respirateurs, non pas sur le nez, mais dans l'anus. Je vote pour. C'est rigolo. Tu peux parler. Parler. Bah, ça doit être très bizarre de pas avoir d'air dans les poumons, mais de quand même. Je sais pas. Ça doit être très bizarre quand même. Bah, c'est comme la perf. C'est ouais, très ouais. Bizarre de pas avoir faim. Oui. En bref, de Diane sur challenge.fr. En bref. La police de Saint-Ouen a annoncé en grande pompe avoir fait une saisie de 5,37 kilos de MDMA et d'ecstasy
pour une valeur de 1 million d'euros dans un tweet. 2 jours plus tard, le tweet était retiré. La police annonce que la poudre saisie n'est pas de la drogue, mais de la poudre neutre. Après quelques recherches, on a découvert que la poudre saisie était de la poudre de fraise Tagada. C'est ce qu'on appelle un fail. Eh bah ouais, là, c'est raté, là. En fait, ils étaient fiers de leur trouille, donc ils l'ont direct balancé. La saisie et tout. Ah bah ouais. Bah faut pas se vanter quand on sait pas, hein. En bref, perso du castor masqué. Vous avez tous des pseudos mirifiques. Putain, mais maintenant, il y a des super-héros qui nous suivent, quoi. Cela remonte à l'époque où j'étais avec ma première copine, maintenant mon ex, et le pire, c'est que je l'ai même pas quitté après cette histoire. Écoutez bien. Il faut savoir que cette dernière a jamais été une personne très saine, ni même très équilibrée. Et un jour, alors que nous discutions tranquillement, sans aucun préavis, ni une signe annonciateur, cette dernière a sorti un briquet de sa poche et a mis le feu à mes cheveux. Eh, il l'a même pas quitté, quoi. Non. Elle a mis le feu à ma tête pour voir ce que ça faisait. Ah oui, il n'y a même pas d'engueulade. Non. Oh là là. Les cheveux, ça brûle vite et ça dégage une odeur un peu semblable à celle du caoutchouc cramé. Heureusement, j'avais les cheveux longs et le feu partant du bas des cheveux, j'ai eu le temps de me jeter par terre et de me rouler la tête sur le sol pour éteindre l'incendie avant que celui-ci n'atteigne le crâne et cause des dommages irréversibles. Voilà, et ce n'est même pas le pire truc qu'elle m'ait fait. Non mais attends, alors, excuse-moi, comment il s'appelle? C'est Dark... Castor Masqué. Castor Masqué. Castor Masqué. Tu vas nous envoyer tout ça? Oui, qu'est-ce qu'elle t'a fait de pire? Non mais qu'est-ce qu'elle t'a fait quoi de pire? C'est racontable ou quoi? Parce que là, il nous tease trop. Mais c'est trop, c'est peut-être qu'il le maîtrise tout ça. Il le fait en plusieurs étapes. Peut-être. Quand il va voir cette émission, il va faire. Ou peut-être qu'il peut pas nous dire qu'elle lui a montré comment respirer par l'anus. Peut-être. Peut-être. La bad news perso de Jean-Étienne. Bad news perso. Alors, cette bad news n'est pas folle, mais je l'ai mis dans l'émission pour la conclusion de son mail. Parce que la dernière phrase qu'il a notée m'a fait rire. Et je me suis dit, allez. J'ai décidé de ne pas vraiment respecter le confinement et aller camper dans les bois. Avec un hamac et un duvet. Ne voulant pas payer d'amende, je n'ai pas pris de tente pour être moins repérable. Comme il n'y avait pas de forêt près de chez moi, j'ai pris ma voiture et j'ai roulé en direction de l'île de Ré. Arrivé au bout de l'île, je me gare sur le parking public, je prends mon sac avec mon hamac, mon duvet et ma bouffe pour le soir. Là, je me dirige vers une forêt que j'avais repérée avant sur Internet et je commence à chercher un coin tranquille, loin des chemins pour éviter d'être trop facilement repéré. Le camping sauvage est illégal et dormir dehors pendant le confinement, c'est moyen légal. Je marche et à un moment, j'entends un peu de bruit, comme des gens qui chuchotent un peu fort. Alors je m'approche et je vois deux ados de 15-16 ans, plutôt 15 que 16 d'ailleurs, allongés sur une serviette. Elle avait la jupe remontée et le string baissé, et lui le pantalon et le boxeur baissé. Ils se branlaient l'un l'autre et je suis arrivé au moment où la fille a fait jouir son copain. Les deux gémissaient de plaisir et là, le gars me voit. Alors les deux cachent leur sexe. Il y avait du sperme plein le t-shirt et elle plein la main. Alors c'est pas hyper discret. Et le gars me dit... On est d'accord, hein. Vous avez rien vu. Hein. Et là, il conclut cette bad news par... Comme quoi... Tout le monde n'a pas eu la même adolescence. Et là, c'est marrant qu'on se reconnaisse très bien là-dedans, quoi. Moi, j'étais le gars qui essayait de voir les gens qui faisaient des trucs, mais je faisais pas les trucs. Hein. Ah ouais, putain. C'est le moment de la pub. Sur nos boutiques Redbubble et Teespring, retrouvez une large variété de t-shirts, pulls et autres goodies farfelus. Bad News, Culture Z, La Petite Mort ou encore Fragespiel, tout y est, même cette bite en impression rigide. Vous pouvez également retrouver en librairie la bande dessinée Bad News, l'histoire du porn, ainsi que le cahier de vacances trash Bad News. Bonne journée. Oui, vous allez la voir tout l'été, et alors faut bien vivre, parce que l'été, il y a encore moins de gens sur YouTube, alors ça va. Non, puis elle est bien, cette pub, je veux dire, c'est pas non plus un calvaire, quoi, je veux dire. T'as une douce voix et tout. Eh oui. En bref, de Mélanie. En bref. Alors, imagine, Thomas, on se dit, bah, dis donc, si on allait acheter des plantes. Ouais. On est dans le Puy-de-Dôme, tranquille, et puis on va au magasin qui vend plantes... fleurs, etc. Tout ça, etc. Quoi, ouais. Puis on est là dans les rayons, tranquille, machin. Est-ce qu'on en prend des tulipes? Non, les tulipes, c'est surfait, c'est un autre pays, tout ça, machin. Des marguerites, il y en a partout, tout ça, machin. Attends. Et si on prenait des plantes bœufs? Bah oui, comme ça, on pourra fumer. Bah voilà. Le 28 mai dernier, la brigade de Volvic, donc la brigade, c'est pas la brigade de l'eau, hein, c'est la police de Volvic, dans le Puy-de-Dôme, apprend que des pots ont été mis en vente avec, comme étiquette, cannabis, dans la grande surface du secteur. Au final, la gendarmerie a saisi
400 plants de cannabis. C'était du vrai cannabis ou ils ont juste mis ça pour vendre ? Du vrai cannabis mis en vente dans 7 grandes surfaces et jardineries du département. 7, le numéro 7. Ah oui, 7 magasins qui vendaient des plants de cannabis, ils en ont chopé 400 avec écrit cannabis. Non mais... Ils ont été retirés des rayons et en partie détruits. La gendarmerie de Rion, dans un communiqué, dit que le fournisseur n'était pas au courant, vu que maintenant, il y a des trucs qui sont autorisés sans THC en France. Soi-disant, ils n'étaient pas au courant, ils se sont dit que du coup, ils pouvaient vendre du cannabis. C'est la petite excuse, quoi. C'est, ils ont tenté et ils ont perdu, quoi. Mais alors, du coup, la grande surface, pas d'amende, rien, tout va bien? Alors, non, je pense qu'ils ont eu des soucis et surtout, ils ont tracé les gens qui avaient déjà acheté leurs plants. Ils sont allés chez eux et ils les ont récupérés. Et ils font des tests pour voir s'il y avait des THC ou pas dedans, pour voir si c'était des plants de cannabis, s'ils étaient ouais, vraiment hors la loi ou pas. En bref, de Lucie. En bref. Alors, cette en bref, Thomas, elle est hyper courte, mais je pense que on va y gagner en temps de réaction avec toi. C'est-à-dire que je vais dire une phrase, ouais. Tu vas regarder la photo et tu vas réagir. D'accord. On fait ça ? Ouais. Merci Lucie. Thomas, comment se souvenir de l'être aimé quand il disparaît de nos vies et décède ? Oh là là ! En faisant une bague avec ses dents ! Attends, mais il n'y a pas que des bagues, il y a un collier, il y a... Oui, en faisant des heures, voilà, tu auras toujours avec toi la personne que tu aimais. Putain, mais les gens sont tordus, quoi. Et pourquoi ces dents, putain? T'imagines? Oh, t'as tellement de belles dents. Quelqu'un avait déjà fait un pot avec des cheveux. Ouais. Comment ça se passe? C'est-à-dire que la personne décède, c'est toi qui dois aller récupérer la dent? Non, je pense que tu dois appeler la famille, dire, alors voilà mon projet. Je voudrais faire des bagues avec ses dents pour qu'elles soient avec moi. Je sais pas. Après, les enfants, ils perdent leurs dents de lait. Donc après, mettre une dent de lait, quand il l'a perdu quand il était enfant, pourquoi pas? Mais aller retirer... La personne morte, ses dents, je trouve ça vraiment... c'est une entreprise. Ah oui, oui, oui. Ouais. En bref, de JH10. En bref. Jeudi soir, vers 20h, dans cet établissement d'hébergement pour personnes âgées, un EHPAD, hein, un homme a fumé sa cigarette dans son fauteuil roulant dans l'enceinte de l'établissement, mais un peu à l'extérieur. La cendre est tombée sur son pantalon, il s'est embrasé et il est mort. J'ai vu une boule de feu passer dans le jardin. Non, c'était Raymond. C'est tout. En bref, de Alan. En bref. L'histoire se déroule, Thomas, sur l'A16. Et c'était il y a 2 ans à peu près, ça avait fait le buzz à l'époque. Mais on en reparle aujourd'hui. Un YouTuber fait partie de ce buzz, ce bad buzz, j'ai envie de dire. Sébastien Delaney, ça te dit un truc ? Non, pas du tout. Eh bien, regarde. Voilà. Alors ça, c'est la voiture d'en face. Ah oui. Alors... Tu vas me dire, mais Davy, des accidents de la route, oui, mais c'est bad news. Oui, mais Sébastien était au volant de la Batmobile. Mais quoi? Mais comment tu te procures ça déjà? Ben, il a acheté la Batmobile, il était avec la Batmobile et il a foiré. Donc Sébastien a cassé la Batmobile. Non mais putain, Seb, sérieux. Ça vaut un blâme. Hein. La Batmobile. En plus, enfin, bon, j'espère qu'il a pu en profiter quand même, mais... Ça, je sais pas, depuis combien de temps il avait... Mais attends, c'est homologué, ça, t'as le droit d'être sur la route. Ça, je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'il avait le droit de rouler sur la route avec ça. Puis t'imagines la bagnole en face. Putain, mais le mec, il m'a foncé dedans en Batmobile. Mais le mec, c'est la Batmobile. La bad news de Richard. La news du jour. Ça pourrait être une blague, étrange, voire même douteuse, mais ce métier existe bel et bien, Thomas. C'est un métier qui existe dans les élevages de dindes. Mieux encore, c'est un job manuel. Et ce job est d'une importance capitale, Thomas. Bah ouais, j'ai hâte de savoir quoi. En effet, Thomas, certains dindons sont tellement gras qu'ils sont dans l'incapacité totale de se reproduire. Oh putain, c'est un métier où tu dois faire baiser les dindons. Attends. Le surpoids les empêchant de monter sur les femelles. Beaucoup d'entre eux finissent par être abattus. 95 millions en France chaque année. Ah oui, c'est répandu, quoi. C'est beaucoup. Et c'est justement avant ce drame que les masturbateurs de dindons interviennent pour permettre aux animaux les plus en chair d'être utilisés comme dindons reproducteurs. Votre mission, si vous l'acceptez, récolter la semence des animaux reproducteurs durant la saison des amours. Pour ce faire, vous serez équipé d'une combinaison verte, une couleur particulièrement attractive pour les dindes, et d'un tabouret pour exercer votre tâche en position assise. Vous devez ensuite câliner, astiquer, puis récolter le fruit de votre labeur. Oui, c'est immonde. Avant d'enchaîner avec l'animal suivant.
Les professionnels les plus expérimentés sont capables de satisfaire un dadon en 30 secondes chrono. Après ça, une autre équipe intervient pour récupérer la semence et féconder les dindes femelles à l'aide d'une seringue. On parle donc ici d'un travail à la chaîne, aux prises avec des dindes pesant parfois plus de 20 kilos. Et comme vous pouvez vous en douter, ce job provoque parfois certains traumatismes sur les éleveurs qui peuvent souffrir d'un manque de libido. Chérie, tu me fais pas l'amour ce soir ? Écoute, j'ai branlé les dindons toute la journée. Je peux pas. Et lui, en journée, il se rend compte qu'il commence à avoir la trique pendant qu'il branle les dindons. Et là, il se dit, oh, ma vie n'était qu'un mensonge. J'aurais dû me marier avec une dinde. Putain, par contre, il doit avoir un sacré coup de poignet, hein. Eux, ils font, ils font, tu veux que je, moi, je t'en deux ans, je te fais, y a pas de souci, hein. Les tendinites, il doit être tout le temps chez le kiné. Et alors, vous faites quoi dans la vie? J'ai des accidents d'auto-tamponneuse. C'est ce que je disais. À noter. Attends, c'est pas fini. Il y a encore un petit truc. Que ceux qui inséminent les femelles doivent souffler dans la seringue pour envoyer la semence dans la chatoune de la dinde. Et comme l'erreur est humaine, il arrive parfois que certains, sans doute un peu fatigués, mangent la semence du dindon. Ouais, ouais, bah ouais. Je vous rappelle qu'il fait chaud, que nous sommes en plein mois de juillet, mais que nous faisons quand même des bad news. Août même, non? Oui, août, c'est vrai. Puis je vous rappelle qu'on a un Tipeee, et on vit grâce à vous, grâce à ce Tipeee. Donc merci de donner, et puis vous avez vu, on a plein d'autres trucs, voilà. Voilà, rendez-vous mardi prochain. Des bisous. Ciao.